femme. Voilà, nous en sommes avec surtout les motifs de derrière là. C'est ça qui me cale encore ici. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, Suzanne. Ça va aller. Voilà, il est à nouveau, papa. Il est tout content, tout content. Et siffloter toute la nuit. N'est-ce pas? Oui. Et siffloter. Et papa, très heureux. Très heureux et comblé. Les gars, nous sommes rentrés de l'hôpital hier. Et ce matin, j'ai décidé de vous montrer ce que je fais. Et ce premier jour avec bébé. Donc voilà, je suis en route pour aller faire du sport. Pourquoi? Parce que vous allez certainement dire que tiens, Suzanne, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas le choix parce que j'ai trop de courbatures, ce qui est normal après un accouchement normal. Et du coup, en faisant la marche, et ça va m'aider à soulager ces courbatures-là. Et en même temps, ça va aider. Vous savez, généralement, quand on accouche, ensuite, il y a le sang là qui sort. Chez certaines femmes, elles peuvent avoir des douleurs très très aiguës. Chez d'autres femmes, je ne sais pas, aiguës ou graves. Donc une douleur assez forte, quoi. Et c'est ça que j'appelle aiguë. Je ne sais même pas si je parle bien. En dehors de ça, donc du coup, quand on fait la marche, quand on fait du mouvement, quand on fait du sport, ça facilite vraiment l'élimination de ça. Et ça favorise une récupération rapide, en fait. Donc, vous allez voir que mon visage est déjà tout gonflé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la perfusion qu'ils m'ont mis à l'hôpital. Mais tout compte fait, tel c'est le cas. J'ai les dos aussi qui sont gonflés. J'ai les pieds aussi qui sont gonflés. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas eu ça sur mes précédents accouchements. Pas normal. Je n'ai pas eu ça. Donc, voilà. Je vous montre un peu la route, les gars. Et on se retrouve au parc. Let's go back. La famille, nous sommes déjà au parc, on a déjà engagé avec la marche. Donc voyez-vous même la poitrine de ça. Même la poitrine, pas de poitrine. Tu as déjà vu quoi? Les gars, donc c'est parti. Je vais essayer de faire une marche un peu plus rapide. Ok? Pour que le corps chauffe. Donc, faciliter, il faut que je me concentre. La dilatation du sang. Exactement, pour faciliter. Moi, je ne sais même pas le mot qu'on va utiliser. Mais de toutes les façons, vous avez compris, c'est important dans la récupération rapide. Et pour limiter un peu les courbatures de l'accouchement. Donc, se concentre. Une heure. Parce que j'ai allaité bébé juste avant de sortir. Je l'ai beaucoup allaité. Et il ne faudrait pas que j'abuse de sa patience. Donc, pour ça, il ne faudrait pas que maman se fâche. Certains pourront être très surpris de me voir en train de marcher le lendemain du jour de mon accouchement. Mais n'oubliez pas que quand bien même vous avez accouché plutôt par césarienne, vous allez marcher pour récupérer. D'ailleurs, même si un docteur est honnête envers vous, il doit vous demander de marcher après une opération afin de pouvoir récupérer plus facilement et cicatriser rapidement. Les femmes qui ont déjà accouché par césarienne, comme ça a été mon cas il y a plusieurs années, venez témoigner dans les commentaires. En tout cas, moi, mon docteur m'avait recommandé de marcher le maximum que je peux afin de pouvoir cicatriser rapidement. Et c'est ce qui a été fait. Le résultat était tout simplement extraordinaire. Donc cette fois-ci, quand bien même j'accouche par voie normale, je fais toujours la marche. Ça m'aide à vraiment récupérer rapidement. Pour la famille, la marche, ça continue.
J'ai déjà presque à 45 minutes de marche. Regardez comment je transpire même. En fait, vous savez, quand une personne commence à faire du sport, par exemple, pour la première fois, et que cette personne-là n'a jamais fait du sport avant, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous sentez les courbatures. Et quand vous sentez les courbatures et vous ne continuez pas avec le sport, ces courbatures vont rester longtemps. Et vous aurez du mal à récupérer. Par contre, quand vous faites du sport, par exemple, pour la première fois, et que vous sentez les courbatures, vous continuez, vous persistez, c'est ça qui va vous faciliter la récupération. Et après, vous ne ressentirez plus rien. Donc, le corps ayant subi un choc qui est l'accouchement naturel, là, il y a les courbatures, il y a la fatigue, il y a tout ce qui va avec, il y a la faiblesse. Mais en restant sur place, on sait bien de se reposer, mais ça ne va pas favoriser la récupération rapide. Donc en sortant, en allant faire ce que je suis en train de faire là, ça facilite vraiment. Je crois que vous aurez déjà compris le principe. Donc je suis en train de continuer avec la marche rapide. Je marche vraiment très rapidement. Je pourrais même trottiner légèrement, mais malheureusement, il y a la poitrine là qui pèse vraiment, qui ne me donne même pas la possibilité de pouvoir trottiner un peu. Mais c'est pas grave. On fait la marche rapide. On continue. J'aurais vraiment aimé vous montrer la façon que je faisais la marche rapide. Vous deviez rire jusqu'à... C'était trop amusant. Mais je me suis vraiment concentrée à marcher à fond. Donc, si vous aurez déjà compris, une heure est passée, 1h10 à peu près. Donc, nous sommes en train de prendre la route comme ceci pour rentrer à la maison. Afin que le petit bébé nouveau-né qui est né avant-hier là ne s'impatiente pas pour son lait, n'est-ce pas? Montrer un peu la route et on se reprend ensuite. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, Pida et Foya. Heureusement qu'on n'a pas traîné. Je l'avais bien à l'état avant de partir, donc bébé dort encore. Je vais profiter pour prendre une bonne douche chaude. Et je vais me faire un bon thé de gingembre. C'est aussi très bien pour la récupération après l'accouchement. Je vais me prendre un bon thé de gingembre. Avec ce visage qui est tout enflé. Vous savez, normalement, quand on perfuse quelqu'un, ça laisse l'eau dans les tissus. J'espère que ça va. Ce problème de rétention devra passer. Regardez mes doigts. Oh, c'est pas possible. Pour la famille, après avoir pris une bonne douche, je me suis mise du beurre de karité sur le visage. Comme vous allez remarquer là, ça fond au fur et à mesure. Et maintenant, pour ce qui est du ventre, voilà comment je sais. C'est que c'est ça ventre à moi. Donc voilà, normalement je pouvais serrer plus que ça, mais je suis en train de boire mon thé au gingembre que maman a déjà fait. Donc la famille, donc voilà, la grande tasse de gingembre que je vais tout avaler. Normalement, quand j'avale comme ceci, ça me permet de tenir un peu pour ne pas manger tout le matin. Donc... Et c'est aussi très efficace quand on la consomme à jeûne. Et ensuite, maintenant, je pourrais manger à une certaine heure. Mais vraiment, quand on vient d'accoucher, on ne doit pas faire le régime. On va vraiment manger quand on a faim. Parce qu'on a besoin de récupérer. Et pour bien récupérer, il faut bien manger. Surtout sain et équilibré. Donc, ne pensez pas que je bois ça parce que je veux faire le régime. Non, je bois parce que c'est un remède pour nettoyer là où bébé est sorti. Et ensuite, aider aussi pour tout ce qui va aller. The next day. Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je suis au lit avec bébé. J'ai déjeuné au lit. C'est-à-dire tout ce que je fais. Allongé.
aujourd'hui, je me repose vraiment à fond. Et vous savez aussi que quand on vient d'accoucher, le périnée n'est pas encore totalement revenu. C'est-à-dire le périnée n'est pas encore au top, quoi, à cet effet. Même si on doit faire les légères marches comme je fais, ça ne doit être rien de plus que cela. Parce qu'il faudrait que le corps soit, les organes se remettent totalement en place avant qu'on puisse fournir vraiment des efforts physiques intenses. Donc à cet effet, j'ai marché hier, aujourd'hui, je ne vais pas marcher. Demain, je verrai, mais je ferai un effort de marcher encore un peu. Parce que quand je marche, j'ai vraiment le punch. Et ça aide beaucoup aussi pour le nettoyage rapide. Donc voilà. Excusez-moi. J'ai voulu vous filmer un petit quelque chose aujourd'hui. Je suis toujours au lit, toujours au lit, au lit, au lit. J'essaie vraiment de récupérer au maximum. Mais en fait, quand on vient d'accoucher, c'est pas facile de sentir la forme. Surtout dans les premiers moments. Parce que j'ai accouché avant-hier. Je crois que c'est avant-hier, ça ne fait même pas 3 jours. Donc, du coup, c'est normal d'avoir les coups battus, c'est normal de se sentir fatigué. Donc, du mieux que vous pouvez, il faut vraiment vous reposer à fond. Donc, comme je vous ai dit, je suis au lit depuis le matin. J'ai eu juste le temps de prendre une petite douche le matin. Je suis revenue me coucher. Donc voilà, toute la journée au lit, à me reposer et à allaiter le nouveau-né sans arrêt à la même occasion. J'espère que vous allez bien de votre côté. Prenez soin de vous. Likez la vidéo si vous aimez voir ce genre de vlog, afin que ça me donne le courage de continuer toujours à vous filmer les weekly vlogs, ok? J'ai vraiment tenu à vous filmer un petit quelque chose aujourd'hui. Je me couche encore et je continue avec le repos. Je continue avec la récupération. Je viens d'arrêter bébé et il s'endort. Donc, je profite pour dormir aussi. The next day. Pour la famille, vous savez que généralement après l'accouchement, quelques jours qui suivent, on rentre à l'hôpital pour faire les contrôles. Dans cet effet, nous sommes à l'hôpital pour faire les contrôles. En fait, le contrôle consiste à faire quoi exactement? Donc, il y a la radiologie qui va avec. On met les trucs dans l'oreille de l'enfant. On fait quoi d'autre? On vérifie si on l'allait bien. Le docteur était tout simplement stupéfait de voir à quel point bébé a pris plus de 100 grammes. Oui, bébé a pris plus de 100 grammes. En quelques jours, 2-3 jours, il était stupéfait. Et bébé allait uniquement au lait maternel. La majorité des enfants perdent plutôt leur poids avant de reprendre après. Parce qu'à ce moment, il est convalescent, il ne prend pas soin de l'enfant. Donc le docteur a juste dit, waouh, c'est extraordinaire. Et quoi d'autre? Ils ont tout vérifié, tout était normal et tout. Donc nous sommes juste en train de vouloir faire la radiologie. Pour ça, il faut que bébé dorme. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Si ça se passe toujours de la même façon, j'aimerais bien savoir. On se dit à tout de suite. Là, nous en avons terminé avec... c'est radiologie. Nous sommes en train d'aller à une étape, à un autre niveau des tâches pour la continuité. Coucou la famille, je commence déjà à prendre mes accessoires de sport un peu. Je ne sais même pas si vous me voyez bien. Donc voilà, j'ai pris ça parce que j'ai toujours des difficultés à faire du sport quand je suis en train d'aller. À cause de la forte poitrine, donc j'ai pris ça. C'est quelque chose de vraiment, vraiment solide pour la poitrine. Ça porte vraiment l'air. Donc, entre temps, voilà où nous en sommes avec le ventre. Voilà où nous en sommes. Je sais pas si vous voyez bien. Thank you.
toutes les façons, ce n'est pas parce qu'on fait des maternités que la vie s'arrête là. Hein. Ce qui fait que dès qu'on a la possibilité de réunir les forces, d'avoir un peu d'énergie là, ça reprend. Parce que la période de postpartum, c'est souvent les périodes où, quand on traverse ça, après, on voit que beaucoup de choses ont changé, on est devenu bizarre, on stresse et tout ce qui va avec. Donc dès que le bébé sort là et dès qu'on essaie de récupérer au mieux, on pense directement à l'avenir, n'est-ce pas? Donc à cet effet, voilà, je prends ça parce que ça me tient vraiment bien la poitrine. Quand j'allais, ça me permet vraiment de faire mon sport sans problème. J'aime bien, je vais en apprendre plusieurs couleurs de ce modèle parce que trouver vraiment ce qui me tient comme ça, ce n'est pas facile. Donc quand je trouve et que c'est net comme je veux, j'en prends plusieurs couleurs. Je ne me casse même pas la tête. On peut déjà remarquer que le ventre là, le bébé sent qu'il n'a pas de place ici là, donc il faut qu'il dégage. Je vous encourage vraiment à faire autant. Quand vous venez d'accoucher, je vous encourage à serrer votre ventre. Ne laissez pas votre ventre devenir bizarre et voilà, yes. Et ensuite, vous n'avez plus la possibilité de retrouver votre ventre d'avant. Donc, commencez à faire du mieux que vous pouvez, à faire déjà des efforts à serrer. Pas tout le temps, mais du mieux que vous pouvez, d'accord? C'est très important. Donc, je continue à prendre les autres couleurs comme ça. Il y a aussi la couleur ici. La couleur ici, il y a le noir aussi. Donc, je crois que la couleur ici est très beau. Quand on vous donne, mais je m'en doute, il y a une virgule de lama. Il a l'air de dire. Bundan, médium de varma. Beaucoup vous réintègre. On se reprend tout de suite. Pour la famille, voilà le prochain. Alors voilà son derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'aime bien, je vous jure que j'aime bien. Mais là, je suis obligée de porter avec du soutien-gorge parce que la poitrine pèse vraiment. Et vous allez également remarquer que ma poitrine a beaucoup diminué parce que Dieu merci, plus le bébé tête plus, ça c'est, comment on dit ça? Au début, en fait, parce que j'ai un très bon remonté de lait. Au début, quand bébé allaitait petit, le remonté de lait était plus que ce qu'il prenait. Maintenant, il prend plus qu'avant, du coup, ça me libère un peu la charge. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Anyway, j'ai déjà trouvé... Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Et ça me tient la poitrine bien. Je peux très bien courir avec. Oh, c'est trop bien même. Donc le prochain, je vais mettre ça moi parce que ça va donner. Surtout les motifs de derrière là, c'est ça qui me cale encore ici. C'est la magie. Si ma poitrine ne pesait pas autant, je n'avais pas avoir besoin de mettre un soutien-gorge pour le porter. Mais là, je n'ai pas le choix à cause du poids de la poitrine. Au moment de porter, bien évidemment, je vais porter un soutien qui va avec. Là, maintenant, c'est juste parce que je suis en train de mesurer et ça va avec ce que j'avais sur moi. Et je n'ai pas le choix que de vous présenter ça avec ce que j'avais sur moi. Mais jusque-là, je trouve que c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est mal avec ce soutien-gorge ou pas. Mais je trouve que c'est pas mal vu que c'est pas trop évident de trouver les tailles qui vont avec les poitrines comme les miennes. Pour la famille, le prochain, c'est ça. J'aime bien le motif du derrière parce qu'il y a du prochain. Vrai que la couleur n'est pas vraiment ça et ça ne me tient pas assez comme les autres. Vous voyez, à peine je bouge, ça c'est con. Mais j'aime la façon que ça prend mon poitrine en fait. Ça ne la déforme pas. Mais ils n'ont pas d'autres couleurs en fait. S'ils avaient d'autres couleurs, mais. Puisque c'est pas aussi facile de trouver les grandes tailles, donc je vais la prendre, je n'ai pas le choix. Dites-moi ce que vous avez le plus aimé dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de voir lequel est-ce que ça donne plus de points que l'autre, s'il vous plaît. The next day. Et là, c'est le légume séché. Beaucoup de maïs. En réalité, je mange le légume séché parce que ça facilite beaucoup la digestion. Tout comme la soupe bouillante. La
amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Irokumba watano fiswimi for ya. So kankwe, oh kankwe. Si vous ne voulez pas avoir les problèmes que nous les femmes nous avons souvent quand on vient d'accoucher, il faut manger beaucoup de légumes secs. Le légume sec, ça facilite vraiment la digestion. C'est magique. En plus, c'est trop bon. The next day. Pour la famille, vous aurez déjà certainement remarqué, nous sommes en train de faire une sortie en famille. Donc là, sincèrement, dès que vous avez vu là mon visage, il y a maman là derrière, maman fait coucou à la caméra. Coucou. Les gars, comme vous aurez remarqué, vous avez été là avant mon travail. Dès que le travail a commencé, dès que bébé est sorti, regardez comment... Je me suis dit que c'était les problèmes de rétention à cause de la perfusion. Mais regardez, c'est vrai que j'ai toujours les doigts et les pieds très enflés là. Mais on dirait qu'en l'intervalle de quelques heures, j'ai tellement grossi, je sais pas. Jusqu'à mon visage, on dirait que je ne comprends plus. Anyway, ce n'est pas le moment de penser à ça. Maintenant, il faut juste bien manger. Marc, as-tu un peu de silence, s'il te plaît? Le moment de juste bien manger, c'est rassurer, de bien récupérer au maximum. Ok, donc nous sommes en train de faire une sortie là. Anyway, on va prendre la route et on se retrouve ensuite. Tellement ça coupe partout dans cette maison. Pour la famille, vous savez qu'en Occident, généralement, quand vous accouchez un nouveau-né, il y a beaucoup de formalités à faire pour les documents, en fait. Donc, c'est par rapport à ça qu'on était obligé de sortir. Donc, on vient juste d'arriver, on a juste garé la voiture, on a laissé maman et les enfants dans la voiture. Et on s'en va avec le nouveau-né. On fait ce qu'il y a à le faire. On se retrouve ensuite. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe. Mon amour, we die. Kankwe, oh kankwe. Coucou la famille, si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rappeler que je vous avais dit que dès que j'accouche, on devait faire un voyage, un déplacement. Donc à cet effet, on est en train de faire les petits achats pour maman. Donc à cet effet, vous savez que quand vous chaussez une très très grande pointure, c'est pas évident de trouver votre pointure de chaussures. Donc on a dû aller très loin, on a dû se déplacer pour aller très loin pour chercher les chaussures. Des endroits qui vendent des chaussures de femmes de belle qualité qui vont jusqu'à pointure 44. Mais pas pour dire que maman chauffe jusqu'à 44, juste pour dire qu'il vendait les grandes pointues de chaussures. Donc, nous sommes en train de tourner, de regarder ça comme ça présentement. J'ai juste voulu vous filmer un petit quelque chose pour que vous voyez ce que la nouvelle maman est en train de faire. Avec son ventre dans le sein, ventre partout, on n'imagine même pas qu'elle vient d'accoucher. Uniquement les petites tailles. Là, c'est uniquement les petites tailles, maman. C'est une chaussure qui plaît beaucoup à maman, mais c'est vrai que les petites tailles. Laissez-moi vous montrer. Voilà, ça plaît à maman. Mais maman chose très grand malheureusement. Ça ne peut pas l'aller. Coucou la famille. Nous, la famille a passé toute la journée à faire les courses. Et là maintenant, on était obligé de s'arrêter. Voilà, petit maman. Pardon, la famille était obligée. Non, chérie, s'il te plaît. Ça, c'est ça. Non, c'est la malle. Non, sinon j'arrête la crise. Les gars, où est-ce que tu veux faire là? Tu vas nourrir bébé. Il faut que le lait de bébé coule. Mais tu sais déjà que ça coule assez. Les gars, vous voyez, regardez, il veut me tuer. Il veut me tuer. Donc du coup, on n'a pas eu le temps de dire qu'on va rentrer à la maison avant de faire à manger. Tu vas ensemble, on va
on va faire ensemble. Voilà. Vous comprenez, non, les gars? Donc, on mange un petit truc là, on va rentrer à la maison, on dort seulement. On a passé toute la journée à faire les courses, je vous assure, c'était pas facile. Donc, heureusement que le matin en sortant, j'avais déjà mangé mon légume sec avec le couscous de farine de maïs, avec d'une cuit. Donc, du coup, j'étais au top toute la journée. J'ai passé également la journée à boire beaucoup, beaucoup d'eau. C'était largement suffisant pour moi. Déjà que c'est vrai, je me suis beaucoup privée de beaucoup de choses quand j'étais enceinte. Donc, cette fois-ci, je me dis, pas que je vais me laisser aller, vous voyez un peu, mais je mange quand même à ma faim. Et sans toutefois exagérer, vous voyez déjà comment le visage là est tout, tout gros. Je sais pas ce qui m'arrive là, mais tout compte fait, c'est pour de bonnes raisons, c'est pour de bonnes causes. Et on a tout le temps de récupérer ensemble, ok les gars? Donc, à The next day. Pour la famille, toujours d'ailleurs avec le nouveau-né, en train de marcher, de monter, descendre, ce n'est pas évident. Si vous n'avez pas encore eu à accoucher en Occident, vous n'allez pas comprendre. Quand on accouche en Occident, il y a trop de formalités, tellement de choses à faire. C'est pas évident. Mais Dieu merci, je n'avais même pas la force pour vous filmer tellement. Je suis sortie le matin sans manger et sans avoir le temps de déjeuner. Et au fur et à mesure que ça traînait, je n'avais même pas la force de vous filmer. Mais Dieu merci, là maintenant nous sommes rentrés déjà. Donc, on se retrouve tout de suite. The next day. Hello la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais 7 jours après un accouchement par voie normale, sans déchirure, rien, on revient à l'hôpital pour faire le contrôle en fait. Donc, ils font passer. Comment on appelle ça? J'oublie le nom, ils font passer ça en fait sur la partie du bas-ventre pour vérifier certainement si le retour d'organes se passe normalement. Hormis de ça, ils vérifient aussi si le bas-ventre est propre, en fait, si le dévoilage se passe normalement comme il faut et quoi d'autre. Là maintenant on attend le docteur comme je vous avais dit, donc il va vérifier si tout va bien à l'intérieur. Et mon ventre normalement je n'attache pas, tout simplement je fais également des massages en fait. Si vous voulez une vidéo entière à propos de ça, faites-le moi savoir dans les commentaires, manifestez-le en partageant cette vidéo. Je ne veux pas beaucoup, je veux seulement 2000 likes. Dès que ça atteint 2000 likes, je vous fais une vidéo détaillée de comment je fais pour retrouver mon ventre plat après mes accouchements. Il y a toute une, c'est-à-dire c'est un panoplie de trucs, de petits trucs simples à faire pour tout le monde, ok? Donc quand vous attachez, comme vous m'avez vu attacher là, n'attachez pas sur un estomac plein. Quand vous avez mangé, digérez un peu avant d'attacher, vous dormez avec. Du coup, ça va aussi dépendre de la façon d'attacher. Je vous explique. Mais là-bas, on est arrivé. Sina, je voulais te poser une question. Pourquoi devant le docteur tu as pleuré? Je veux que tu expliques à la famille pourquoi tu as pleuré. Ah, les gars, on ne vous a pas tout filmé en fait. On était en train de remercier le docteur parce que après une
Tellement je suis en pleine d'émotion. Après une césarienne, notre objectif était mais comment le pouvoir faire un accouchement. Les gars, je dois vous expliquer ça dans la voiture parce que l'émotion est encore là. Après, je vais encore remercier le docteur pour tout ce qu'il fait parce qu'il ne nous regarde pas comme un patient en fait. C'est un peu comme si c'est lui-même qui soignait, la façon qu'il prend soin de nous, la façon qu'il nous a accueillis, qu'il a accepté qu'on puisse tenter la chance de faire un accouchement normal après une césarienne sans rien de complexe, comme si il y a tellement de mythos là-dessus et tout ça. Il m'a juste donné quelques petits éléments à faire au niveau de mon régime. C'est ce qu'on fait, la marche qu'on vous fait, et pas la grâce de Dieu après une césarienne. Une césarienne, j'ai dit voilà, une deuxième accouchement après une césarienne, et on était en train de lui dire les mots de remerciement une fois de plus. C'est vrai que ça ne suffit jamais, mais on ne cesse jamais de le faire. Et chaque fois que je parle, je pense tellement à beaucoup de trucs en fait. Ça me... Je me dis seulement si j'avais été en équipe dès le départ, et que ma fille ne serait pas moi, tout ce qui va avec. Bon, c'était un peu ça, les gars. Donc, la sensibilité, je crois que je ne peux pas dire plus que ça. Donc, c'était la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons passé la première semaine de postpartum avec vous. Donc, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez, continuez à voir les Big Big Club. Il a été commenté, partagé au maximum. Et on se dit à très bientôt. Voilà là où nous en sommes avec le ventre. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'en 7 jours, si on a pu obtenir ce résultat, imaginez donc le résultat après une semaine encore. Donc, les gars, imaginez-vous ce résultat après 7 jours seulement que j'ai accouché. Imaginez donc le résultat 2 semaines après. Ça sera seulement... vous aurez à le voir par vous-même. Pour ceux qui aimeront savoir davantage... Même si aujourd'hui vous n'êtes pas sujet à la maternité, demain ça peut vous aider. Vraiment, c'est un secret. Tout le monde ne vous dévoilera pas. Vous allez croire que le ventre plat, c'est la chance. Vous allez croire que le ventre plat, c'est... Vous allez dire qu'ah, elle a couché, elle a encore le ventre plat. Alors que c'est chacun qui sait ce qu'il fait. Tout le monde ne partagera pas avec vous. Mais moi, parce que vous êtes là, vous nous soutenez. Vous êtes comme ma deuxième famille, en fait. Vous êtes comme notre deuxième famille. Donc, je ne peux que vous partager les secrets de valeur comme ceci. Donc, tout ce que j'attends de vous, c'est juste de liker la vidéo, de commenter et de partager. Ça me fait toujours plaisir de venir vous lire et de laisser les cœurs à vos commentaires. On ne perd plus le temps, on y va. Thank you.